Bonjour tout le monde! Ici c'est Méane et aujourd'hui je vous propose d'aller chercher toutes vos perles dont vous ne vous servez jamais et d'essayer d'en faire quelque chose pour décorer vos junk journal. Ce genre de petites breloques ou pendants qui euh, décorent euh, vraiment très joliment le dos et les couvertures de nos junk et qui nous font utiliser nos stocks. En termes de pendants de junk, on va en voir deux types légèrement différents. Tout d'abord, ceux qui sont faits à partir de clous à tête plate. Cela, vous devez les acheter dans le commerce. Donc, ce sont ce genre de clous. Vous voyez qu'il y a une extrémité où vous allez pouvoir enfiler vos perles. Et de l'autre côté, vous avez vraiment la tête d'un clou. Tout ce qu'il y a de plus classique, plat. Je crois qu'il en existe en forme de boule. Mais les plus courants sont ceux qui sont à tête plate. Et la tête va être suffisamment large pour bloquer la perle. Et du coup, ben, euh, faire en sorte qu'elle ne puisse pas aller plus loin. Il en existe différentes longueurs. Ceux que j'ai, moi, ils sont assez longs parce que j'ai pas mal de perles que je n'utilise jamais parce que justement elles sont trop grosses. Euh, Celle-ci, je crois qu'elle fait 1 cm4 de longueur. Celles-ci, elles doivent bien faire 1 cm. Donc, fatalement, il me faut euh, un, un clou assez long pour pouvoir enfiler ces perles-là, surtout que je préfère faire des pendants avec plus d'une perle dessus. Donc vous voyez par exemple sur ce clou là, euh, j'ai pu mettre quatre perles. Une grande ici, une moyenne qui vient de chez Action, une plutôt quand même assez grande aussi qui est en, en pierre également, en hématite, et euh, une autre petite perle transparente en plastique qui vient de chez Action. L'important c'est que euh, le diamètre du trou soit quand même suffisamment grand pour vous permettre de passer votre clou. La deuxième variété de pendant, sont ceux-ci, c'est à-dire que eux ils ont une boucle aux deux extrémités. Alors dès comme ça, vous pouvez également en acheter tout simplement des clous qui au lieu d'avoir une tête plate, ont déjà une boucle à une extrémité, et de la même façon que euh, les euh, clous à tête plate, une fois que vous aurez enfilé vos perles, il faudra faire une deuxième boucle pour pouvoir accrocher votre pendant quelque part. L'avantage de ces pendants à double boucle, c'est que vous pouvez entièrement les faire eux-mêmes. Il vous suffit d'avoir des fils de métal. Et c'est un petit peu comme ça en fait que je suis partie sur ce projet, parce que j'ai des fils d'aluminium. Celui-ci fait 1 mm. Et c'est juste bien pour la taille des trous ou des perles. Je ne m'en sers jamais parce que, comme vous le voyez, c'est tellement mou que c'est pratiquement de la ficelle. Vous faites un nœud comme ça. Et alors, c'est très bien si vous voulez, par exemple, écrire votre nom avec ou ce genre de truc. Mais l'inconvénient, c'est que euh, c'est tellement mou, ça se déforme tellement facilement que euh, ça ne supporte aucun poids. J'ai d'autres types de fils également parce que euh, j'essaye de, de faire quelques bijoux. Je, je teste en ce moment euh, ces derniers mois différents trucs et donc j'ai d'autres types de fils en métal aussi qui sont euh, en laiton, je crois, et qui sont un peu plus solides. Vous allez avoir besoin de quoi Eh bien, de fils ou de clous. Le minimum, ça va être une pince euh, à bourrons puisqu'il va falloir faire des boucles et vous voyez que la mienne elle est multifonction c'est à dire que elle a aussi la fonction qui coupe là mais je la trouve pas super pratique donc je me suis acheté une pince qui euh, sert vraiment à couper et il me semble que pour ce projet là c'est tout vous avez juste besoin de couper et d'enrouler il va naturellement également vous falloir des perles. Un autre de mes petits défauts que j'essaye de corriger cette année, c'est cette tendance que j'ai à toujours vouloir faire quelque chose d'unique. Ce qui, quand on y pense, est complètement idiot parce que quelle importance que je me retrouve à faire 2, 3, 4, 10 pendant rigoureusement identiques comme ça. C'est pas comme si j'allais les attacher tous au même junk journal. Chaque junk journal en aura qu'un seul exemplaire. Et on va quand même beaucoup plus vite quand on peut un minimum répéter les choses. Du coup, une fois que j'ai fait quelque chose qui me plaît bien, je le mets de côté, j'en fais plusieurs comme ça qui me plaisent bien, et ensuite je les répète. D'une manière générale, il faut que vous gardiez quelque chose en tête. On sous-estime toujours la quantité de fil dont on va avoir besoin ou qu'on va consommer. Je, je débute hein, complètement, donc euh, je peux pas non plus vous donner de règles absolues, de mesures qui sont garanties de marcher à chaque fois et ce genre de choses. J'ai l'impression grosso modo que ne serait-ce que pour faire une boucle comme ça, qui ne soit pas trop trop rikiki, faut que vous comptiez un centimètre. Ça va vous paraître énorme sur euh, la taille de votre clou, et pourtant vous, vous allez voir que euh, quand on va faire la boucle, bah, ça va correspondre à peu près à ça. Une fois que j'arrive à ma dernière perle, donc vous voyez qu'il me reste tout ça. Hein, je pense que c'est grosso modo un centimètre, voire un peu plus. Ça se plie très facilement avec le doigt. Hein. Je euh, maintiens l'une des extrémités avec le doigt comme ça et la dernière perle pour que vraiment elle soit toute bien serrée sur mon fil. Je pousse avec mon ongle et je fais un angle droit pour essayer de bloquer les perles. Alors avant de faire ma boucle, je vais vous montrer autre chose sur ce fil-là que j'utiliserai euh, tout à l'heure. Je vais déjà le couper. Je vais me servir à peu près de la même taille. Euh, elle est où ma tête de tout à l'heure Elle est ici. Donc vous voyez ce clou là Sa forme, euh, c'est pas juste une, c'est pas juste un rond en fait. Ça, ça ressemble plus, si je le mets dans ce sens là, ça ressemble plus à une goutte. Donc pour faire cette forme là, vous prenez votre pince à embout rond. Vous choisissez à peu près où vous voulez euh, vous mettre sur la longueur de votre pince. Plus vous êtes proche du bord ici, plus la boucle sera grosse. Plus vous êtes ici, plus elle sera petite. Je suis incapable de faire des euh, boucles de taille uniforme. De manière générale, j'essaie quand même plus ou moins de me mettre au milieu. Vous faites votre boucle comme ça, mais vous voyez que ça ne ressemble pas du tout. Là, mon fil il, il est au milieu de la goutte, là ça ressemble pas. Donc pour avoir cette forme ici, une fois que vous avez fait votre boucle, je vais sortir ma pince et je vais revenir pincer ici pour que je puisse donner un autre petit coup dans le sens inverse de rotation de la boucle pour retrouver un peu cette forme là. Éventuellement je réajuste un petit peu et vous voyez que c'est déjà beaucoup plus ressemblant. Donc reprenons notre pendant. C'est un peu beaucoup. En vrai, euh, d'expérience sur ces clous-là, c'est un petit peu beaucoup. Je vais en raboter un chouya chouya. Disons qu'en fait, il me reste pas assez d'espace pour pouvoir rajouter une perle comme ça. Mais il me reste un peu trop d'espace, allez je vais vous montrer. Même en me mettant au... à ce qui correspond à la, à la taille d'une boucle la plus grande, si je tourne, ça fait vraiment une boucle énorme. Et je trouve pas ça forcément super super joli. Donc ça veut dire que il va falloir raboter un peu le fil. Alors il aurait mieux fallu le faire avant, mais tout n'est pas perdu, je peux toujours le faire. C'est de l'expérience. Hein. À nouveau, je ne peux pas vous donner de mesure. Je sais d'expérience qu'il faut raboter un tout petit peu. Alors, un autre truc aussi, ayez toujours une poubelle à côté de vous parce que vous allez jeter des morceaux de chute tout trop petits pour pouvoir en faire quelque chose. Laissez-moi vous dire que ça, si vous vous plantez le doigt dessus ou si ça tombe par terre et que vous marchez dessus ou que vos chats, chiens ou quoi que ce soit marche dessus, euh, vous allez le sentir passer. Donc, ayez toujours une poubelle à côté de vous et jetez vos euh, tout petits bouts de chute inutiles immédiatement. Le fil, quand vous allez le couper comme ça, il, il va avoir tendance à sauter. Donc, vous placez votre pince et vous placez votre doigt pour. Il a sauté quand même. Ah, où est-il Pour, il est là. Pour éviter que ça saute trop partout. <laughs> voilà. Et vous voyez, j'ai vraiment coupé un tout petit bout. Poubelle. Mais je vais pouvoir rattraper ma boucle. Je me remets à l'extrémité, donc plutôt vers le milieu. Je tire bien pour pouvoir la resserrer. Et je redonne le petit coup. J'aurais même pu... Tais-toi du haut. J'aurais même pu couper encore un peu, vous voyez, j'aime moyen le fait qu'on puisse euh, que les perles se baladent comme ça. Donc allez, on va corriger encore un peu. Voilà, là c'est mieux. Hein? C'est mieux, hein? J'ai absolument aucune idée de ce que vous voyez. Le problème que j'ai quand je filme, c'est que je n'ai jamais réussi à transférer l'image sur mon ordinateur. Euh, donc si, si quelqu'un sait comment on peut faire, j'ai un Mac euh, en tant qu'ordinateur et j'ai un Samsung Galaxy, je ne sais pas combien. 8 je crois. S8. Je ne connais rien en téléphone. Ça ne m'intéresse pas. Euh, bref, et si quelqu'un sait comment je peux, pendant que je filme, avoir en même temps l'image sur mon ordinateur, ce qui me permettrait du coup de pouvoir jeter... De temps en temps, des petits coups d'œil sur mon écran et voir si je suis dans le cadre ou ce genre de choses, si le focus se fait. S'il vous plaît, dites-le moi parce que ça m'aidera, je pense, énormément à améliorer mes vidéos. Ce qui serait également votre intérêt, n'est-ce pas? <laughs> On va en faire des comme ça. Alors, le fait d'avoir des boucles des deux côtés, soit vous les laissez comme ça en attendant de vous en servir et le moment venu, vous pourrez décider. Lequel est, quel côté est le haut, de quel côté est le bas. Soit vous pouvez euh, également accrocher encore une petite perle, mais cette fois trouée différemment. Pour finir, par exemple, reviens là. Par exemple, cette, euh, cette lune, vous pourriez également accrocher un gros lot. Tiens, c'est ce qu'on va faire. Ouf, ouf, ouf. Alors, j'ai pas la place clairement de euh, mettre ma dernière perle. C'est pas grave. On va essayer de faire une toute petite boucle avec ça. C'est chaud, hein Hein Je vais vraiment me mettre à l'extrémité de ma pince. Ouh. Eh, je commence à avoir un tout petit peu le coup d'œil quand même. Hein. Ça, ça me fait vraiment une boucle minuscule. Enfin bon. Euh, j'aurais quand même plutôt tendance à la positionner comme ça. Et alors, une fois que votre boucle est faite, comment accrocher votre euh, petit gros lot Le papier, de, le papier, n'importe quoi. Le fil d'alu est vraiment tellement mou que j'ai même pas besoin d'une pince pour ouvrir. Je peux le faire à la main, mais bon, je vais vous montrer avec la pince quand même. Tout simplement comme n'importe quel autre anneau, parce que c'est jamais qu'un anneau hein, quand on y pense. Vous ne l'écartez pas comme je l'ai fait tout à l'heure quand j'ai tâtonné pour, euh, pour former ma boucle. Vous l'ouvrez sur le côté. Vous passez votre anneau, euh, votre grelot et vous refermez. Alors là, je l'ai fait avec euh, la pince ronde. Euh, C'est plus facile si vous avez une pince plate, quand même, je trouve, de ce type-là. Voir une pince courbée comme ça. Mais bon, vous voyez, on s'en on tire très bien. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour un peu que ce soit avec du fil d'alu euh, j'aurais carrément pu le faire à la main. Et voilà, et <laughs> j'adore les gros lots. <laughs> on en refait une, on prend notre fil, on se met à peu près au milieu dans notre pince, on tourne le fil. À 360 degrés pour faire la boucle. On se met à l'opposé. On donne juste un petit coup. Et on est bon. Ensuite, on enfile nos perles. Et c'est quand même déjà assez long. Hein. Angle droit. Alors, on va couper, on va couper. Qu ce que vous en dites là 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 on va dire on va dire par là hein on se replace au milieu ah ouais un autre truc que j'ai oublié de vous dire que j'ai pas fait attention tout à l'heure vous voyez euh, ici ma boucle le elle est fermée euh, de ce côté là c'est plus joli si celle opposée n'est pas fermée dans le même sens. Donc là, ça tombe bien, ça va être le cas. Vu que j'ai fait mon ongle droit dans le même sens, quand je vais l'enrouler, ma boucle va être fermée dans le sens opposé. Non, j'en ai trop. <laughs> oh, ça se coupe comme dans du beurre. Je déteste travailler avec les fils d'aluminium. Hop. Voilà. Oh, C'est tellement mou. Quelle horreur. Voilà. Hop. Et donc, on ouvre. On enfile notre étoile. Euh, notre lune, pardon. Et on referme. Je vais vous montrer un dernier truc, parce que vous n'êtes pas obligé de faire des longs pendants comme ça. On va faire des chaînons, c'est-à-dire qu'on va faire des pendants, mais avec juste une perle. Et une toute petite perle, ça ce sont des perles qui font à peine 4 mm. Alors j'en ai fait pas mal, mais comme bien sûr j'ai toujours ma mémoire de poisson rouge. Je ne me souviens pas quelle est la longueur idéale du fil. Euh, je crois que c'est 2,5 cm, quelque chose comme ça. On va essayer. En plus, mon morceau là, il fait 5 cm, ce qui veut dire que ça m'en ferait deux, ce serait nickel. Évidemment, mais évidemment, juste après vous avoir dit faites attention, tenez bien vos fils. Parce qu'ils vont sauter, empêcher les de sauter, c'est dangereux, évidemment. Et parce que aujourd'hui je filme, mes fils n'arrêtent pas de sauter. Je vous jure que j'arrive à les maintenir d'habitude. Et puis alors lui, il avait bien sauté. Hein. Euh, bref, faisons notre boucle. Au milieu de la pince, ce fil-là est un peu plus dur, enfin plus dur, c est un peu plus résistant, et honnêtement, je trouve ça plus agréable à travailler je fais ma petite boucle j'enfile ma perle où es-tu où es-tu trop voilà ah non c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop alors donc vous voyez là ma boucle elle est dans ce sens là elle suit les, les euh, elle suit le sens des aiguilles d'une montre et donc elle se termine comme ça donc pour avoir euh, la boucle opposée qui va donc se terminer comme ça il faut que je fasse ma cassure de angle à 90 degrés dans le même sens que la fermeture de ma boucle pour que ensuite quand je vais faire ma boucle je vais la fermer dans le sens opposé je sais pas si c'est clair J'espère que le geste est plus parlant que euh, le blabla que je vous raconte. Alors, un, centi un centimètre, c'est trop. Un demi-centimètre, c'est pas assez. Je pense que par là, ça devrait le faire. Ah, oh, mais c'est pas possible J'essaie de ne pas m'énerver, mais je vous avoue que là, ça commence à me... J'ai trop coupé. C'est pas grave. Ça passe quand même. Ça pourrait être plus harmonieux. Les boucles pourraient être euh, plus proches. En termes de taille, je fais ce que je peux. Où tu es, hop, donc on a dit 2 cm et demi. En vrai, euh, c'est à peu près ce qu'il faut, je pense. À chaque fois, je rabote, mais euh, j'ai tort. Hop. Une fois que vous n'avez mesuré un, surtout si vous les faites à la chaîne, c'est encore plus facile de faire comme ça. C'est quand même trop grand, non Qu'est-ce que vous en pensez On coupe quand même, allez, on coupe quand même, mais un tout petit peu. Hein. Voilà, vous voyez, et ça saute pas. Fallait peut-être que je que je m'énerve. J'ai pas envie de m'énerver. À chaque fois, vous me voyez tourner les trucs, mais c'est juste parce que. Instinctivement c'est plus facile pour moi de faire la boucle en tournant comme ça. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça. Hein. Moi c'est le geste qui me vient naturellement donc je. Je me pose pas de questions. Eh celle-là, elle est bien. Hein. Hein Les boucles, elles sont elles sont presque de la même taille. Voilà, et une fois que j'en ai quatre. Je vais faire une chaînette. Ah, 4. Autant que vous voulez, hein 2. 48. Et voilà, et vous voyez, ça fait une petite chaînette comme ça. Et vous pourriez faire tout un bracelet, hein un collier ou... ou quoi que ce soit. On verra dans une prochaine vidéo ce qu'on en fera. Bon, bah écoutez, on va arrêter la vidéo euh, là pour ce soir. Moi, je vais euh, continuer d'en faire, mais le fait d'arrêter de, de filmer va me, me permettre de mettre de la musique. Parce que je ne vous l'ai jamais dit, mais. L'un des trucs souvent qui fait que euh, j'ai la flemme de filmer ou, ou ce genre de choses, c'est tout simplement parce que si je filme, je ne peux pas travailler en musique, et, et c'est un gros problème pour moi. <laughs> je je ne filmerai pas, euh, je ne vous ferai pas profiter de ma voix qui chante. Mais juste avoir euh, soit une série en fond sonore ou euh, de la musique. C'est quelque chose que je fais énormément. Alors, voilà. C'est juste que pour que vous ayez un petit aperçu, j'en ai fait des avec des chiffres parce que euh, ça représente quelque chose pour moi. Et, euh, et parce que j'ai des perles comme ça qu'il faut que je consomme. Mais vraiment, le mot d'ordre dans cette histoire, c'est utilise tes perles. Hop. Vous l'avez déjà vu celle-là. Celle-ci, c'est peut-être même celle qu'on a faite ensemble. Euh, ah oui, une dernière chose avant qu'on se quitte. J ai, j ai, je ne peux pas vraiment vous donner de conseils de comment comment enfiler les perles. Enfin, je veux dire, c'est comme ça vous plaît. quoi. J'essaye simplement de varier et la couleur, et la taille, et la forme pour avoir quelque chose d'un petit peu harmonieux. Je me sers pas mal du blanc et du doré pour faire des séparations, vous voyez, entre les perles. Parce que si ces deux-là avaient été l'une à côté de l'autre, alors déjà elles font la même taille, elles ont la même forme, et puis elles, elles ont pas la même couleur, mais bon, elles sont quand même dans une tonalité euh, qui est proche, quoi ça n'aurait pas forcément été joli. Donc euh, voilà, sans forcément aller jusque là où c'est peut-être un peu trop régulier euh, dans l'alternance. Euh, ici c'est mieux je trouve parce que l'alternance se fait... Vous ne voyez peut-être pas mais euh, là c'est un petit espaceur. Même ceux qui, euh, bah, qui espacent entre les perles principales, on va dire, sont de formes ou euh, de, euh, de couleurs très différentes. Mais voilà, d'une manière générale, c'est un peu ce que j'essaye de faire. On va dire que c'est ma, ma ligne de conduite. Voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer. Mais je vais arrêter la vidéo là. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie ou que ça vous aura donné l'inspiration pour utiliser un petit peu votre stock. Ce genre de pendant, vous en avez vu dans mon junk journal violet, une vidéo que j'ai postée il n'y a pas très longtemps. Enfin, je ne devrais pas dire ça vu que j'ai absolument aucune idée de quand est-ce que je vais poster cette vidéo-là. Alors, disons plutôt une vidéo que j'ai postée début mars 2021. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, pour vous donner un petit peu euh, une utilisation euh, de ce genre de choses. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, mais ça, je l'avais déjà dit. J'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne, dans une prochaine vidéo. Et je ne dis pas juste ça parce que j'espère que vous viendrez les regarder, mais j'espère juste que <laughs> j'en publierai une dans pas trop longtemps. On est vendredi soir pour moi, donc je vous souhaite un très bon week-end. 拜拜。Bye bye.